Allez, salut tout le monde, ici iPlay4You, on se retrouve pour la toute nouvelle saison de Project Zomboid, la saison 7, vous allez voir, c'est énorme. Écoutez, je vais jouer avec le tout dernier patch qui est sorti, c'est un patch monumental, en tout cas on peut dire qu'ils ont bien bossé les développeurs. Ils nous ont amélioré considérablement les graphismes, vous allez voir, j'ai pris une claque hein. Quand j'ai joué, je me suis pas vraiment entraîné, mais j'ai quand même essayé de voir un peu ce qui m'attendait dans cette prochaine saison. Et du coup, j'ai regardé un peu l'aspect visuel de ces graphismes et je suis sous le charme, en tout cas ça va faire une différence nette entre la saison 6 et la saison 7 que nous allons aborder ensemble au travers deux épisodes, dans un épisode tous les deux jours. Voilà, énormément d'objectifs, je vais vous les donner dans quelques secondes. Le tout nouveau patch, donc il rajoute pas mal de choses, il y a plus de civils, on peut faire des interactions avec les civils, on peut passer par les fenêtres, les zombies sont plus intelligents, ils peuvent casser les vitres, voilà, notre personnage court beaucoup moins qu'avant, il est essoufflé plus rapidement, il y a énormément de nouveaux objets, de nouvelles armes. Vous allez voir une saison qui s'annonce réellement intense, en tout cas j'ai vraiment hâte de la commencer. Il va y avoir comme d'habitude les bulles de texte sur notre personnage, ces bulles de dialogue sont visibles sur votre PC seulement, je crois qu'elles n'apparaissent pas si vous regardez cet épisode sur votre téléphone portable. Et écoutez, que dire à part que l'on va commencer, je vais vous citer très rapidement les objectifs, j'ai pas trop envie de vous saouler, ça va vraiment être une saison découverte pour moi puisque j'ai joué un peu sur ce nouveau patch, mais pas tant que ça, je voulais vraiment me garder la surprise pour les épisodes et du coup ça va être assez intense. Alors les objectifs sont les suivants, la première va consister tout simplement comme d'habitude à explorer toute la carte, on va se promener, on va visiter le nord, le sud, l'est et l'ouest, on va visiter toutes les maisons, les quartiers, l'objectif sera de visiter toute la carte. On va essayer de trouver aussi les nouveaux objets de cette saison. Alors il y en a plein des nouveaux objets du patch, hein. J'en ai choisi quelques-uns, j'en ai choisi 6 qu'il va falloir que je retrouve. Il va falloir que je trouve un café qui fait partie des nouveaux objets de cette saison, un œuf, une boîte de haricots en conserve, une tarte, un soda à l'orange et une queue de billard. Voilà les 6 objets que je vais devoir trouver dans cette saison. Ça va me forcer à explorer l'intérieur des maisons, de visiter les bâtiments à la recherche de ces fameux objets. Il va falloir que je trouve et que je parle à 3 civils différents. Il va falloir que je tue un zombie de 4 armes différentes. Donc voilà, on va plutôt dire tuer 4 zombies de 4 armes différentes. Donc je sais qu'il y a des couteaux, la queue de billard peut être utilisée aussi comme une arme. Bref, il va falloir que je trouve 4 armes différentes et que je les tue, que je tue un zombie avec ces 4 armes. Et au final, il va falloir que j'arrive à survivre un mois. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile que les saisons précédentes, puisque notre personnage est beaucoup plus essoufflé facilement, les zombies sont beaucoup plus intelligents, il y en a plus, les conditions de survie vont être absolument terribles. Allez, c'est parti, on y va. J'ai choisi comme pseudo Alitech80, qui est l'un d'entre vous. En fait, je vais faire pareil que mes saisons de Minecraft Hardcore, je vais faire de temps en temps des petits clins d'œil à vous, à mes abonnés qui me suivent depuis très longtemps maintenant. Alitech80, je sais que tu as regardé la saison 6, puisque j'ai vu tes commentaires à l'intérieur de la vidéo. Écoute, c'est ton pseudo que j'ai choisi pour le thème de mon personnage de cette saison 7. On va choisir un ouvrier du bâtiment parce que je l'aime bien. Écoutez, je trouve qu'il résiste pas mal aux morsures de zombies et il va en avoir besoin pour aborder cette toute nouvelle saison. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve sur la carte de cette saison 7. Alors, première chose qui frappe évidemment, ce sont les graphismes. Vous voyez les graphismes nettement plus épurés, nettement plus fins. On aperçoit aussi autour de mon personnage une sorte de bulle de visibilité. Une bulle qui permet, vous voyez, de ne pas voir ce qui se passe derrière soi tant qu'on ne s'est pas retourné. On a des interrupteurs aussi, vous voyez, qui permettent d'allumer et d'éteindre la lumière. Il y a vraiment pas mal de choses, on va découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, je peux déplacer aussi les objets. Hop, regardez, je peux déplacer les objets en maintenant un clic droit dessus. Ça me permet de caler, par exemple, hop, ce canapé derrière, hop, derrière cette porte-là. Je peux la déplacer là et vous voyez, je peux sécuriser cette porte. Les conditions de survie ont nettement été dégradées, voire, et pourquoi pas améliorées. Alors c'est l'un dans l'autre, en fait elles ont été dégradées puisque les zombies sont plus intelligents, ils peuvent par exemple casser les fenêtres et passer à travers, mais elles ont été aussi améliorées grâce à ce système de sécurité qui me permet de sécuriser un peu plus mon immeuble. Alors on va tout de suite, pendant qu'il fait jour, partir à la recherche d'une arme. Donc là vous voyez par exemple, c'est l'exemple type, je peux déplacer la poubelle derrière cette porte pour la sécuriser. On va explorer la petite cabane au fond du jardin, puisque je sais que ça c'est la maison du tuto, et je sais que dans cette cabane se cache généralement un marteau. Il n'y a pas de zombies, j'ai eu de la chance. Voilà, un marteau, c'est parfait, on va s'en équiper tout de suite. Je vais prendre les planches tout de suite aussi pour aller murer cette maison, puisque je pense que cette maison, ça va être celle qui va m'accompagner durant toute cette saison 7.
On va tout de suite la sécuriser. J'ai des planches, j'ai des outils, j'ai tout ce qu'il faut. Alors on va pas se priver. Voilà, on va poser 3 planches tout de suite. Et je vais prendre mon temps. Faut que je survive un mois, alors faut que je fasse les choses bien. Voilà, parfait. Voilà, parfait, ok. Du coup, on va quand même... Oui, il y a un zombie. Il y a un zombie, ça va pas être cool parce qu'avec mon petit marteau, ça risque d'être assez délicat pour le tuer. Il a une portée... très très minime. En plus, mon personnage a déjà faim. Ok, je l'ai eu. On va essayer de pas se faire repérer. On voit la qualité des graphiques. La qualité des graphismes a été nettement améliorée. Les développeurs ont fait un très très bon travail. Je les en félicite, c'est un réel plaisir. Que d'aborder cette toute nouvelle saison. Alors il a faim, il y a un frigo là-dedans. Une carotte, tu veux bouffer une carotte? Eh ben mange-la, qu'est-ce qu'on a? Des brocolis et un œuf. Œuf, mission accomplie, je rappelle que j'ai 6 objets différents à trouver. Et parmi ces objets se cache un œuf. Donc ça c'est très agréable. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un torchon, ça ne sert à rien. Le four, ok. Il serait intéressant de trouver quand même Est-ce que je peux la remplir ici? Une nouvelle arme. Ok, voilà. Donc, on a une bouteille d'eau parce que mon personnage, tout simplement, a soif dans cette saison. Il a faim, mais il a soif aussi. Et du coup, de temps en temps, il faut l'approvisionner en eau. Donc, voilà. Ma bouteille d'eau. Hop. Ma bouteille d'eau ici est pleine. Et du coup, de temps en temps, il va falloir le faire boire. Ça fait partie des améliorations de ce gros patch. Donc voilà, j'aime beaucoup le système d'interrupteur qui permet d'améliorer grandement la luminosité. Je vais fermer les rideaux ici. Vous voyez, je peux ouvrir et fermer les fenêtres. Ça me permet tout simplement de pouvoir passer au travers. Pour passer au travers, il faut que je me fasse... Hop, on va le faire tout de suite sous vos yeux. Ceci, donc des bandages. Voilà, les bandages qui me permettent de crafter une sorte d'échelle en fait. Et pouvoir ainsi passer à travers. Alors j'ai pas encore testé, on va peut-être le faire dans cet épisode pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, beaucoup de draps, ça c'est génial. Les draps qui vont nous permettre de sécuriser. Est-ce que ça va marcher? Alors c'est la première fois que je teste. Voilà, j'ouvre la fenêtre. Non, j'ai déposé le truc. Alors il va falloir que je me renseigne un peu. Mais je sais que je peux avec ces draps me crafter une échelle pour pouvoir... fermer la fenêtre pour pouvoir descendre. Si jamais par exemple mon rez-de-chaussée est envahi par les zombies, je peux grâce à cette échelle m'échapper de cette maison. On va prendre les antidouleurs, j'espère ne pas en avoir besoin dans cette saison, mais on n'est pas à l'abri. J'ai vu quelque chose là. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelque chose qui est passé derrière. Si vous voulez revenir en arrière dans la vidéo, je ne pense pas m'être trompé, il y a quelque chose qui est passé. J'espère que c'est pas un zombie, j'espère que c'est un civil. Bon, en attendant, on va poser un drap ici. Voilà. On va vraiment essayer de sécuriser cette baraque puisque j'ai l'impression que c'est là que je vais passer ma saison. L'idéal serait très prochainement de trouver une nouvelle arme. Alors on va allumer la lumière. Si je peux. La lumière est juste... Il y a encore eu quelque chose là qui est passé. La lumière est juste derrière et du coup j'ai... Ah, je peux pas cliquer dessus, ça c'est mal foutu. Alors la fenêtre ici est fermée. C'était un civil. Ok, c'était un civil, pas de problème avec ça. Hop, voilà, je pose des draps, je sécurise ma maison. Voilà, ok, ma maison est bien sécurisée, on a des planches en bas, des fenêtres ici. C'est dommage que je puisse pas allumer, hein, pour vous. Non, je peux pas, l'interrupteur se cache juste derrière cette trousse à pharmacie et du coup, je peux pas allumer. Bon, on va peut-être allumer ici. Ok, parfait. Voilà, maison sécurisée, donc j'ai quand même pas mal d'objectifs à accomplir dans cette saison, on va prendre notre temps. Alors, qu'est-ce que t'as? Il faut que t'arrives à lire un livre, à avoir des conversations. Oui, il s'ennuie un peu, mon personnage. J'ai cru voir un petit magazine quelque part. Est-ce que tu peux le lire, tiens? Allez, ça, voilà. J'ai lu le magazine et du coup, ça a enlevé son ennui. Parce que le personnage peut s'ennuyer maintenant dans les saisons. Et du coup, il y a plein de choses à prendre en compte. Non, j'ai pas envie de dormir tout de suite. On va casser la croûte avant, quand même. Est-ce que tu peux manger ça? J'étais bon, les brocolis. C'était un régal. Voilà, et on va passer la nuit quand même. Hop, je vais allumer la lumière histoire que mon personnage ne se sente pas tout seul. Écoutez, c'est relativement sécurisé. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Un magazine, je vais le prendre. La tablette de chocolat, je le prends aussi. Bloc-notes vierge. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il est fatigué. Bah écoutez, c'est parfait, on va dormir. Hop, voilà, on dort.
Voilà, mon personnage a bien dormi, il est 5h du matin, donc il y a une sauvegarde maintenant. Faut savoir, dans Project Zomboid, à chaque fois que vous dormez, le jeu se sauvegarde. Je vais pas m'en servir, hein. Je vais faire une aventure suivie avec une seule vie. Je vais jouer en hardcore, comme ça avec mon personnage qui n'aura qu'une seule vie. Je me méfie de ces endroits-là parce que généralement se cachent souvent des zombies. Là, j'allume un peu la lumière. Je prends tout ça. Et du coup, on va passer au fur et à mesure de cette saison les différentes améliorations. On voit bien là la bulle de vision de mon personnage qui se cache au fur et à mesure que j'avance. Et y a énormément d'améliorations. La principale pour moi, c'est quand même l'aspect visuel du truc. Le graphisme est nettement amélioré. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus plaisant à jouer. Le fait aussi de pouvoir sécuriser un peu plus sa maison, c'est très très agréable à jouer. Le fait aussi de notre personnage puisse s'ennuyer, qu'on doit lui trouver des magazines, constamment de la nourriture, de l'eau aussi. Tout ça fait partie du côté survie qui a été nettement plus poussé dans ce gros patch que je vous conseille de télécharger. Alors je vois rien du tout, je ne vois absolument rien, est-ce qu'il n'y a pas un interrupteur? Je vois que dalle. Alors si moi je vois que dalle, j'imagine que vous c'est pire. Allez, on va faire, voilà, péta bloquant, c'est parfait, je garde. On va faire le tour des maisons voisines. Hop, on va sécuriser ici. On va essayer aussi de trouver des civils. Hein. Je rappelle que j'ai 3 civils à trouver. Alors, là-dedans, il n'y a rien. Un crayon, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Tout ça, c'est pareil, c'est totalement inutile. On a un évier ici qui permet de remplir ma gourde d'eau. Hop, ça... Oh, il y avait quoi là-dedans? C'est ça que je veux. Un sandwich au beurre de cacahuète. Que c'est bon. Ben voilà, très très bien. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Un steak. On va faire cuire le steak tout de suite. Ouais, on va le faire cuire. Parce que je sais que mon personnage est un gros bouffe-tout. Il passe son temps à manger de toute façon. C'est comme ça toutes les saisons. Pas de raison que ça change. Voilà, on va faire cuire le steak. Et on va le faire manger tout de suite. Comme ça, j'aurai une belle barre de faim. On va prendre notre temps dans cette saison. Je rappelle que j'ai quand même un mois à survivre. Hop, voilà, j'ai fait pause, excusez-moi, j'ai reçu un message sur mon téléphone et c'était important. Donc voilà, je reviens avec vous, pas de problème. La barre de faim descend très 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 vite. On voit que mon personnage est un vrai glouton, quoi. C'est fou. S'il y a quelque chose que je pourrais améliorer, puisque votre personnage, il faut savoir qu'il prend de l'expérience maintenant dans le jeu. Avec cette expérience, ça lui permet d'améliorer ses caractéristiques, vous allez le voir. L'expérience vient en tuant des zombies, donc on va aller tuer des zombies. Ce serait bien que je trouve une batte de baseball pour les tuer quand même, parce que mon petit marteau risque de ne pas suffire. Et plus vous tuez de zombies, plus vous gagnez d'expérience et plus vous pouvez augmenter les caractéristiques de votre personnage. Vous pouvez le faire courir plus vite, le faire courir plus longtemps, faire qu'il ait faim moins souvent. Et du coup, il y a vraiment plein de choses dans ce nouveau patch. Ça rend le jeu beaucoup plus intéressant que ce qu'il n'était. Et on se dit qu'il est encore en version bêta. Ça promet vraiment une grande durée de vie pour la suite de ce jeu que je vous conseille d'acheter. Il est pas cher, je crois qu'il est qu'à 5€ sur Desura. Un zombie! Deux zombies! Waouh, 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 waouh! Trois! Oh la vache, il y a plein de zombies! Allez, viens là. Fous-moi le camp, je ne touche pas. Ok. Ça a été chaud, hein. J'ai réussi à esquiver les zombies. J'ai eu une belle frayeur. Mais mon personnage a survécu. Oh la vache. Il y en a un ici. Il y en a deux même. Il y en a deux, c'est trop dangereux. On se casse. Ah, je suis pas là pour risquer la vie de mon personnage dès le premier épisode. Par contre, il y a plein de paquets de chips, j'ai aperçu. Et ça peut être bon à savoir pour la suite. Il faut que je me trouve une arme. Il faut que je me trouve une batte de baseball. Je serai nettement plus en sécurité avec une batte de baseball. Waouh, waouh, waouh. Plein de zombies. Plein de zombies, plein de zombies. Bah, je coupe un peu la musique parce que la musique est bien forte. Alors elle est sympa, je dois l'avouer, les nouvelles musiques du jeu sont très 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 agréables. Encore une fois, je vous conseille de les écouter, mais pas dans cette saison puisque... Je me méfie, alors là la vue est pas terrible. Puisque ça ne va pas avec le fait de parler dans une saison. Il y avait un civil dehors. Faudrait vraiment, vraiment que j'arrive à trouver une nouvelle arme, quoi. Quelle galère, quelle galère. Bon, si je peux trouver des médicaments comme ça, je prends aussi. Mais la priorité irait vraiment à une nouvelle arme. Moi, j'ai pas l'impression que je vais trouver mon bonheur dans... Oh là là, ça par contre, c'est mal foutu, ça. C'est très mal foutu. Allez, on va sortir.
Il y a eu quelque chose là. Ouah, c'est... Abruti, tu m'as fait peur. Tu veux leur peau ou la mienne? La leur. Ben oui, je veux la leur. Ça fait plaisir à entendre. Bien sûr, je veux pas te faire du mal. Je sais que j'ai tué pas mal de civils dans les anciennes saisons, mais... Ah, tu m'as fait peur. Voilà, j'ai croisé mon premier civil. Je rappelle que je dois en trouver trois différents. Donc voilà, vous pouvez interagir... Ouh là là là, beaucoup de zombies. Vous pouvez interagir avec les civils. Et c'est ce que je viens de faire. J'ai discuté avec lui. Ouh là là, zombie, zombie. Allez, allez, il me faudrait une batte de baseball, quoi. Ce serait génial, parce que j'ai un marteau. C'est pas mal, le marteau, mais... Niveau distance, pour frapper, vous voyez, c'est pas terrible. Il faut vraiment qu'il soit au corps à corps, et du coup... c'est pas l'idéal, quoi. Une batte de baseball serait nettement plus appropriée. Oh là là, c'est rempli de zombies. C'est l'invasion. Toutes les maisons ont complètement été envahies. Aïe, 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 aïe. Il faut que je trouve une maison comme celle-ci. Tiens, peut-être qu'à l'intérieur de celle-ci... Oh là, il y a beaucoup de nourriture sur la gauche. Je sais pas si vous avez vu. Mais j'ai croisé une boutique. Et dans cette boutique, énormément de nourriture. Alors, je le note. Il faut que j'aille explorer tout ça. Il faut que j'aille explorer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un zombie? Un zombie? Je sais pas, il a l'air d'être paniqué. Allez, on va allumer les lumières. On va allumer toutes les lumières. Voilà, ici, ça peut être intéressant avec un peu de chance. Allez, donnez-moi une batte de baseball, donnez-moi quelque chose. Un couteau. Pff, couteau, c'est pas terrible parce que la portée est pas forcément mieux. Ah, des munitions. Des munitions, pourquoi pas. Mais si j'ai pas de... Si j'ai pas de fusil... Ça risque de ne pas être assez intéressant. Bon, il n'y a rien du tout. Aïe, 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 quelle galère. Allez, mange. Voilà, on va lui faire manger. On va lui mettre une barre de faim à fond. Comme ça, je serai tranquille pour un petit moment. Une tarte. Ça y est, regardez ça. Une tarte et un soda à l'orange qui faisait partie des objectifs de cette saison. Mission accomplie. Je rappelle que j'ai 6 objets différents à trouver. Le plus dur va sûrement être la queue de billard à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des cigarettes? Non, cigarettes, non, merci. Pas envie de cigarettes. J'aurais préféré, à la limite, une bonne bouteille de Sky. Ok, on va juste sortir dans le... Mince. Hop. Oula, il y a un zombie là-haut. Dans ce bâtiment-là, parce que vous voyez, il y a énormément de nourriture. En plus, c'est de la nourriture de longue conservation, des chips et des canettes. Et du coup, il me les faut. Ça va pas être facile, parce qu'il va falloir que je me batte. Aïe, 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 aïe. Je déteste ça, me battre avec un marteau. Oh la vache, ça a été chaud. J'ai failli me faire toucher, mais j'ai survécu. Oh, des allumettes, tout ça, ça ne me sert à rien. Chocolat, ok, chocolat, je garde, c'est parfait. Mais donnez-moi une batte de baseball, s'il vous plaît, donnez-moi une arme, quoi. Mon marteau ne va pas suffire. Un couteau, la portée est pas terrible. On va prendre tout ça, il y a du pain, il y a des canettes, ça c'est parfait pour survivre. C'est de la longue conservation, ça ne se périme pas. Du coup, je vais pouvoir le garder très très longtemps dans cette saison. Comme j'ai comme objectif de survivre un mois, ça promet d'être assez sympathique. Allez, je reprends tout ça. Il y a un zombie là-haut. J'espère qu'il ne m'a pas vu. Hop, hop, hop. Je prends tout ça, je prends tout ça. Je fais le plein. Il y a de la pastèque. J'ai l'impression qu'il m'a vu, le zombie. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il est très fatigué. Il est très fatigué. Du coup, on va se diriger vers notre maison pour le faire dormir un peu. Voilà, je coupe encore une fois la musique. Excusez-moi, la musique est sympathique, mais elle me gueule dans les oreilles. Crève, toi! Oh là là, il est increvable, lui. Il est increvable, regardez ça. Non, 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 me touche pas, me touche pas. Oh, il est increvable, lui. J'ai foutu 5 coups de marteau, il est pas mort. Allez, on se casse, on va pas jouer avec le feu. On va passer une bonne nuit. Il faudrait que je retourne chez moi. On va retourner chez soi pour passer la nuit. Voilà, il est 6h, la nuit va pas tarder à tomber. Oh, il y a des zombies ici. C'est bon, il a pas l'air de m'avoir vu. Nickel, on va retourner chez soi tranquillement. Le personnage risque d'être fatigué dans pas longtemps. Ouais, il est fatigué. La nuit tombe. Allez, on va laisser la poubelle ici. On va faire le tour. Voilà, comme ça c'est sécurisé. Et voilà. Allez, dégage. Ah, j'avais foutu le canapé, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, ok, c'est sécurisé. Tout ça c'est sécurisé. Je suis tranquille chez moi. Et voilà, allez, on va passer la nuit. 19h, ok, parfait. Voilà, ça y est, mon personnage a bien dormi. Il est 6h du matin, on va le faire casser la croûte avec du fromage
histoire d'avoir une bonne haleine pour commencer la matinée. On va arrêter là le premier épisode. Alors voilà, on va essayer, je vais vous montrer au travers ces épisodes les différentes améliorations. Il y en a plein, hein. Vous voyez la lumière, la possibilité de faire plein de choses, de passer par les fenêtres, une amélioration nette des graphismes, la possibilité d'interagir avec les personnages, de former des équipes. Il y a pas mal de choses. Notre personnage s'ennuie, il faut lui faire lire des magazines, il faut lui faire boire de l'eau. Bref, un gros gros patch que je vous conseille vraiment d'utiliser et de tester. En attendant, bah écoutez, on arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 jours, un épisode de cette saison 7 tous les 2 jours, avec comme objectif pas mal de survie, un mois à survivre, beaucoup de nourriture à trouver, des civils, des objets et des épisodes, ma foi, assez intenses. Allez, à la prochaine, salut à tous.